Salut, bonjour. Yami, 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 mama. Yasobi mi orekelewa, mama. Yami, 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 mama. Precious gift, I love you, mama. Jambo, jambo les copines. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est les dimanches, les jours du Seigneur. Moi, je me prépare, je vais aller à la messe, je me suis réveillée, je vais bien. Et avec vous, ça va encore mieux. Je voulais profiter de ces petits moments pour vous faire un petit coucou. Je vous dis qu'on va aller ensemble à la messe. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? J'ai envie de vous parler d'un sujet que... L'une de ma voix est partie. D'un sujet que l'une de mes abonnées m'a demandé. Elle m'a dit de parler des copines toxiques, qu'elle a une copine qui ne la laisse pas faire et qui la décourage. Et aujourd'hui, on va en parler, comme on est ensemble, on va aller à la messe. Et après la messe, je vais essayer de vous faire profiter de l'extérieur de mon église. Et en ce moment-là, on pourra discuter. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une très belle journée, un beau dimanche. Priez si vous avez envie et remerciez le Seigneur si vous avez envie aussi. Mais moi, c'est les jours où je parle, je remercie le Seigneur. Je l'adore et je lui dis merci pour toute la semaine qui m'a fait passer et pour toute la force qu'il me donne encore jusqu'aujourd'hui. Et après la messe, je vais vous partager le verset de l'évangile pour ceux qui sont intéressés. Ils pourront regarder, sinon pas eu le temps d'aller à la messe. Parce que ça m'arrive aussi de ne pas aller à la messe. Mais ce que moi je fais, je regarde la messe de temps en temps sur France 2. Ça, on va en parler plus tard. Là, mon fils, il veut prendre la tétée. Après, je récupère les filles. Je les ai déjà préparées. Le papa est en train de les habiller. Et voilà, après on va y aller. Merci beaucoup. Oh là là, maman. Mon bras est fatigué à tenir comme ça la caméra. Mais ça me fait plaisir. Et je vous fais coucou, coucou et bonne journée. C'est parti pour notre vlog de la journée. Bisous, bisous. Moi, moi, moi. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai porté des boucles d'oreilles en argent. Et aujourd'hui, je suis argentée. Je ne sais pas si vous voyez. Et mes boucles d'oreilles argentées. Je les aime bien. Allez, c'est parti pour les vlogs. Nous sommes prêtes, nous sommes déjà dans la voiture. On vous amène avec nous. On va vous faire profiter de la vue de l'extérieur. On espère en tout cas. Le matin, on s'est réveillé avec des brouillards. Mais je vois maintenant, il commence à avoir de la lumière et on va bien profiter. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui! Que Jésus soit avec? Nous! Ouais! Allez, on y va. On est arrivé à la messe. On a eu la chance de trouver la place juste devant la porte. Et là, on va rentrer parce que j'entends qu'ils commencent déjà à chanter à l'intérieur. Et je vous ferai profiter de l'extérieur à la fin de la messe. Ciao, ciao, à tout de suite. Mais tu peux parler, c'est pas grave, hein. Là, je suis sortie de la messe. J'ai laissé mes enfants avec une copine. Et je me dis, ben, je vous fais profiter de la très belle vue de mon église. On profite. En fait, là, c'est une petite ville qui est juste en bas. Ça s'appelle la Tour du Pin. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous... quel temps il fait, mais par ici il fait pas très bon. C'était très intéressant la messe, mais super. En fait, j'aime bien quand je vais à la messe parce qu'il y a toujours des paroles ou bien des mots qui touchent. En tout cas, moi ça me touche et je me suis dit que j'aimerais bien partager avec vous. Et après, on a aussi des choses qu'on doit parler sur la copine qui m'a parlé de sa copine qui n'est pas trop gentille avec elle. Mais avant, je vais vous dire
que dans la messe, le prêtre a dit que avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut enlever la poutre qui est dans ton œil. Je vous laisse réfléchir sur ces mots pour le dimanche, surtout pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à la messe. Je mettrai les versets de l'évangile, comme ça vous pourriez lire si ça vous intéresse. Personne n'est obligé, hein, si ça t'intéresse, tu lis. Et c'est comme ça. Et maintenant, là, on va essayer de répondre à notre copine qui nous a parlé, une de mes abonnées qui m'a écrit et qui m'a dit que sa copine ne veut pas supporter son projet. Du coup, elle a envie de laisser tomber. J'ai envie de te dire une chose, ma copine. Si tu as un projet et tu crois à ton projet, tout ce que les gens qui sont autour de toi peuvent dire, surtout parfois, il y a des copines qui sont des copines, comme on a dit dans les titres, les copines qui sont toxiques. Elles sont toujours là, elles veulent juste te voir, lui demander son avis, elles veulent juste te voir derrière elles, avoir besoin d'elles, elles ne veulent pas te voir avancer. Peut-être que ta copine est l'une de ces genres de copines, je ne sais pas, c'est toi qui la connais. Si je partage ça avec tout le monde, c'est parce que peut-être nous tous, nous avons une copine qui s'est déjà comportée comme ça ou voilà, qui a déjà été pareille avec nous. Et c'est pourquoi je me dis, attends, je vais partir pour ne pas déranger les gens. C'est pourquoi je me suis dit de partager avec tout le monde. Et c'est ça. Je t'ai dit, si tu as ton projet, fais ton projet. Quand tu as parlé à ta copine de ton projet, elle t'avait dit que c'était bon. Mais les soutiens, en fait, j'avais parlé un jour avec un coach qui était une motivatrice. Elle avait dit, c'est bien de soutenir. Quand on veut faire un projet, l'entourage est très, très important. C'est bien de soutenir, mais le soutien, ce n'est pas que des paroles. Non, non. On doit aussi poser des actes. Si tu soutiens ton ami, il faut poser des actes. Tu dois être là pour lui, pour des conseils, pour soutenir. Si c'est son YouTube qu'il a ouvert, tu es là pour soutenir son YouTube. C'est ça. Toutes mes copines qui vous êtes là, me soutenez sur mon YouTube, je vous dis merci, merci. Et continuez à me soutenir. Et pour toi, je t'ai dit, dans ton projet, fonce, fonce. Si ta copine ne veut pas te soutenir, tu la laisses, tu continues. C'est ce que je voulais te dire. Si tu as ton projet, continue ton projet. Si elle ne veut pas te soutenir, ce n'est pas grave. C'est peut-être parce qu'elle est jalouse de ton projet ou peut-être ton projet ne l'intéresse pas, ce qui est normal. Il y a des choses qu'on peut faire mais qui n'intéressent pas nos copines ou nos amis. Mais quand on est copine, je pense qu'on doit se soutenir. Et si tu vois que ta copine ne fait pas des choses bien, c'est mieux de lui dire au lieu de faire semblant de soutenir. Une copine comme ça, pour moi, elle ne mérite pas être dans ma vie. Parce que ma copine, si elle s'est dit qu'elle est vraiment ma copine, elle doit me soutenir. Et si j'ai fait des bêtises, elle doit me les dire. Au lieu de faire semblant de me soutenir, au lieu de faire semblant d'accepter ce que j'ai fait, elle ne me soutient pas. Ça ne te fait pas avancer. Ça ne te fait pas avancer. C'est pourquoi je t'ai dit continue, continue et fonce. Et si tu trouves qu'elle ne te soutient pas, alors tu la laisses, tu l'écartes, tu avances avec les gens qui te soutiennent. Voilà ce que je t'ai dit. Merci, merci. Mais à tout le monde, j'envoie ces messages, mais je vous demande à vous aussi, si vous avez un conseil à donner, vous pouvez lui donner parce que c'est l'une de mes abonnées et je suis sûre qu'elle va voir cette vidéo. Alors, vous lui dites ce que vous pensez hein, quand une copine ne te soutient pas, elle fait semblant de te soutenir. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle doit abandonner son projet? Pour moi, non. Tu dois foncer, tu dois avancer parce que c'est ta vie. Peut-être qu'elle ne te soutient pas parce que elle a peur que tu réussisses et que tu sois meilleur qu'elle. Mais tu es déjà meilleur qu'elle parce que tu t'es lancé toi. Et elle, peut-être pas. Ok? Alors, donnez-nous vos avis dans les commentaires. Et si vous aimez la vidéo, mettez beaucoup de like en bas. Et abonnez-vous si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne. Allez, je vous laisse. Je vais aller prendre ma fille et on va rentrer à la maison. On continue notre vlog. On continue vraiment notre vlog. Je suis super contente. Les gens me regardent comme, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Mais je partage les vlogs avec mes vlogs, avec mes copines. Merci et fais bisous. À tout de suite. Et voilà, on va partir à la maison, on va rentrer à la maison. Et les filles, c'est parti pour la... C'est parti pour la... Et notre vlog finit par là, je suis déjà arrivée à la maison. Et je vous souhaite de passer une très très belle journée.
J'espère que vous profitez bien de toutes les personnes qui sont autour de vous. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée à la messe. Merci d'avoir passé avec moi ces petits moments. Je suis très contente et ça me fait beaucoup de bien. Si vous voulez me poser des questions, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à m'écrire sur le lien qui est juste en barre d'infos de mon Instagram. Vous pouvez m'écrire en privé, me proposer des choses, me dire des choses, tout ce que vous voulez, parce que j'aime bien discuter avec vous. J'aime discuter avec vous. Vous ne savez pas la joie que ça me fait. J'espère que vous le voyez dans mes vidéos. Et je voulais aussi vous dire un truc. En fait, les deux jours, le lundi et le mardi, je ne suis pas très sûre de vous faire des vlogs ces deux jours-là. Mais ce qui est sûr, ce que je vais filmer, et quand je retournerai à la maison, quand je serai chez moi, je vous ferai des vlogs. En attendant, prenez bien soin de vous, croyez en vos projets et que personne, mais personne ne vous arrête. Que personne ne vous arrête. Foncez et avancez. Les personnes qui ne vous soutiennent pas, eh ben, il ne faut même pas tenir compte d'eux. Sachez juste une chose, soit ton projet ne les intéresse pas, et là, il faut qu'ils te disent si c'est ta copine, si tu ne te dis pas, tu les mets à côté, soit tout simplement, elle est jalouse. Elle ne veut pas te voir avancer. C'est juste ça, c'est juste mon avis, et vous avez le droit de donner votre avis en bas, dans la barre des commentaires. Merci, merci, et bon dimanche. Ciao. Kwaheri, Mama Africa, eh, Mama Africa, oh, ciao, ciao.